Emmanuel, vous présentez également Finn Pearl of Love dans cette épreuve qui vient de se distinguer sur ce parcours. Hein. Oui, voilà, bah c'est une jument qui a beaucoup de tenue, donc il faut sur ce parcours-là, il faut qu'il y ait beaucoup de trains, quoi. D'accord. Donc plus il y a de trains, mieux elle va finir. D'accord. Elle aussi, il faut qu'elle vienne de derrière. Finperle, elle peut tout faire. D'accord. Et la dernière fois, en venant de derrière, elle était impressionnante. Elle allait vraiment très vite pour finir. Ouais, tout à fait, voilà. Et puis là, avec le numéro 15 sur 15, vous n'aurez peut-être pas d'autre choix que de la faire finir aussi, quoi. Oui, en plus, mais bon. Des fois, on est aussi bien avec le 15 qu'avec le 9. Et pour prendre le wagon de 3 en montant en 4e, 5e rideau, ça nous ramène bien. Voilà, tout à fait. Donc, sans trop faire d'efforts, donc voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, elle aussi, vous en attendez une bonne performance. Ouais, bah, mes deux juments ont des chances régulières, hein, c'est pas. Apparemment, il y a un ou deux étrangers qui ont les dents longues, mais bon, on doit pouvoir rentrer dans le quintet, ça se passe bien.